Salut à tous, je vais vous présenter mon vélo moteur. Donc le voici. Donc là on peut voir, c'est un kit qui vaut même pas une centaine d'euros livré hein, sur eBay. Du chinois évidemment. Donc là on voit le kit et il est très bien fait quand même, je trouve. Pour le prix j'étais impressionné. Ça se monte relativement facilement. Seul modif que j'ai dû faire, j'ai dû pointer quand même les fixations. Parce que le moteur a tendance à se foutre de travers avec la chaîne. La couronne, c'est pas mal fait. Il y a des brides derrière avec des patins en caoutchouc qui serrent les rayons. Un réservoir aussi est pas mal. Si vous avez une poignée d'embrayage. Voilà, là vous êtes en mode vélo, il est débrayé. Poignée de gaz et coupure moteur. Tout simplement. Franchement, pour kit à 100 euros, c'est vraiment pas mal quoi. Donc ça fait un an ou deux que j'ai installé ce kit. J'ai fait quelques kilomètres avec hein, ça roule c'est correct hein, ça roule environ 45-50 km/h. Après, en modifiant le pot, la carburation, tout ça pour avoir plus de puissance, mais bon, ça reste un vélo hein. Il suffirait que la chaîne déraille et bloque la roue ou quoi. C'est un peu dangereux quand même. Après, sinon, c'est pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers. Ça tourne à 5% de mélange. Hein. C'est le moteur, à mon avis, les jeux de fabrication, les tolérances doivent être larges. Hein. C'est pas du top top quoi. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc comme vous avez pu voir, ça se rapproche plus d'une débroussailleuse Lidl que d'un 80YZ quand même. C'est pas une fusée, mais bon. 1300 euros, c'est le prix d'un piston quoi. Là, c'est un moteur complet avec un réservoir, un kit qui a quand même été, on a beau dire ce qu'on veut, il a quand même été étudié tout ça. Il fonctionne. Et après, vous pouvez regarder les moteurs électriques. On est quand même dans des autres tarifs. Hein. Enfin, je peux pas dire les performances tout ça, mais bon là ça consomme rien, voilà quoi. C'est pas spécialement bruyant. Vous l'éteignez quand vous voulez. Ça redémarre, vous relâchez l'embrayage, ça repart. Pour moi c'est suffisant.